Bonjour et bienvenue dans une journée dans ma vie. Alors, on va centrer cette journée sur ce qu'on appelle un Life Admin Day où en gros, il y a ma paille qui s'exprime. À savoir faire toutes les petites tâches que je procrastine, les trucs qui traînent depuis un moment. En gros, c'est une journée où je ne fais pas de travail vraiment genre à fond quoi. Donc je ne vais pas réviser ma médecine chinoise. Là, je tourne une vidéo mais je ne vais pas la monter ou la publier. Je ne vais pas écrire d'article Bertine. Enfin, je ne vais pas passer un moment à mon bureau à travailler pendant plusieurs heures. C'est ça ce que je veux dire. Je commence aussi quelque chose qui peut être de l'ordre d'un Life Admin Day puisque je commence quelque chose que j'ai procrastiné depuis 2 ans, à savoir une thérapie. Et oui, j'ai rendez-vous pour la première fois depuis 5 ans chez une psy. C'est un service du CHU parce que je n'ai pas du tout les moyens de me payer un suivi psy. C'est pour faire de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale. J'ai déposé ma candidature avec une ordonnance du médecin, j'ai été acceptée par le C4. Je suis pas du tout stressée, nerveuse, non absolument pas. J'ai commencé la journée par traiter mes mails. Il est maintenant 10h45, tu m'as vu me maquiller, etc. J'ai passé un bon moment avec j'ai eu un rendez-vous téléphonique aussi, j'ai répondu à plusieurs mails de marque mais aussi de coaching. Parce que oui, si tu ne le sais pas, parce que j'ai quand même eu dans un des mails que j'ai reçu, une personne me disant je ne sais pas si tu continues à faire du coaching. Oui, je continue. Je fais du coaching universitaire. Si tu ne sais absolument pas de quoi je parle, tu peux regarder la vidéo juste ici où je t'explique toute mon offre. Si tu m'as déjà vu en parler, sache que je continue absolument tout à fait à faire du coaching universitaire, à aider à l'organisation, la productivité, à rédiger un mémoire, à faire un rapport de stage, à faire un projet de recherche, enfin voilà. Vraiment, toute production universitaire, j'aide à la mettre en place. J'aide aussi à mettre en place un système d'organisation pour être le plus productive possible. Et un truc que je rajoute là, et je te fais l'annonce officielle ici, et oui, je rajoute une option à ce coaching qui est en fait purement de la médecine chinoise. En effet, étant diplômée maintenant de médecine traditionnelle chinoise, je me suis dit que je pouvais totalement proposer des séances à distance, c'est-à-dire que en médecine chinoise, tu as énormément de choses qui peuvent se faire sans soins physiques. Des conseils, à savoir aider les gens à se soigner eux-mêmes en leur montrant des points d'acupuncture et en apprenant aux gens à les masser. Il y a énormément d'outils en fait qui peuvent tout à fait se faire en séance à distance. C'est très safe également au vu de la situation sanitaire actuelle, n'est-ce pas? Donc voilà, si tu as la moindre question, tu as une envie de faire une séance de coaching traditionnel ou d'énergétique chinoise, n'hésite pas à m'écrire loupe.youtube@gmail.com. Tu m'écris, on se capte, je t'explique, on se prend un rendez-vous, tout ce que tu veux. Ce sera sur le même tarif que le coaching, à savoir 40 € pour une séance de 45 minutes. C'est la même chose puisque je déclare tout, évidemment. Voilà, j'arrête cette autopromotion. En tout cas, le coaching continue et le coaching se développe et a une option énergétique chinoise qui est complètement voilà, profonde, à fond. On fait de la diététique chinoise, de l'énergétique chinoise. On travaille sur les émotions, sur la gestion du stress, sur les problèmes de digestif, de peau, enfin voilà, on peut tout à fait faire énormément de travail uniquement à distance. J'ai très peu de rendez-vous aujourd'hui et c'est pour ça que je peux me permettre de faire un Life Admin Day. J'ai donc le psy à 15h30 et j'ai une réunion Bertine à 19h pour parler du futur de Bertine qui est donc le magazine en ligne sur lequel j'écris. Tu peux aller voir, je te mets les liens en barre d'infos si tu veux. Voilà, donc ça c'est les deux obligations temporelles que j'ai. Sinon à côté de ça, il faut que je sorte parce que j'ai deux cadeaux à acheter et il faut que j'aille aussi m'acheter un disque dur externe absolument parce que en fait je stocke quasiment toutes mes vidéos des 2 dernières années, donc ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et en fait je garde les vidéos sentimentales plus des archives sur 2 ans au cas où j'ai le moindre problème avec une vidéo, comme ça je peux la remettre en ligne si nécessaire. Du coup j'ai plus de place, voilà, c'est horrible entre ça et les sauvegardes et tout ça, j'ai plus de place sur mes disques durs externes, donc il faut que j'aille m'en acheter un nouveau, donc il va falloir que je fasse une petite sortie.
Ensuite, pour ce qui est de ce que je dois faire sur mon ordinateur, je dois écrire une critique d'un gîte sur lequel, auquel je suis allée. C'était un cadeau d'anniversaire, c'était trop bien. Mais donc la dame du gîte nous a demandé d'écrire une petite critique sur Facebook pour, voilà, pour conseiller, donc je vais le faire. Je dois rappeler la chorale où je me suis préinscrite et j'ai pas eu de nouvelles. Je dois écrire à mon école pour demander un truc administratif basique. Je dois écouter le reportage d'une amie qui s'appelle Laura, qui a fait un reportage à France Culture. Je te le mets en barre d'infos, c'est sur les femmes en prison. Apparemment c'est un truc de fou et j'ai trop envie de l'écouter. Plein d'amis l'ont déjà écouté et apparemment c'est de la grosse balle, c'est trop trop bien. Donc je vais l'écouter aujourd'hui. Ça dure 50 minutes, je te mets le lien en barre d'infos aussi. Ensuite, encore sur mon ordinateur, j'ai des photos des vacances des Cévennes que ma mère a prises sur cet appareil photo et je dois les exporter et lui envoyer quand même. Et truc que je dois faire tranquillement ici chez moi, mais c'est le genre de truc que je procrastine le plus, je dois recoudre la pochette intérieure de mon petit sac à main. C'est très frustrant, tu sais, quand t'as une petite poche et qu'il y a un trou dedans et que du coup tes clés tombent dedans et que tous les trucs que tu cherches et tu fouilles dans tout ça, que tu les trouves pas, tu dis que tu les as perdus et en fait c'est tombé dans le trou et c'est dans l'endroit inaccessible avec les mains. Pour ton... Tu vois ce que je veux dire, c'est pas clair du tout, je sais pas du tout m'exprimer, il y a un bus qui passe en plus. Il est maintenant 10h52, je pense que pour éviter toutes les personnes qui font du shopping pendant leur pause déjeuner, je vais sortir maintenant. Mais avant, je vais te montrer un truc que j'ai reçu, qui est plutôt cool. On est en mois de septembre, je suis d'accord, mais je vais te présenter un calendrier de l'Avent. Ouais. Le machin est énorme. Oh là là. Soyez youtubeuse qui disait, ça paye bien qui disait. Ceci n'est pas un partenariat, hein. Ils m'ont envoyé ça, c'est MyMuesli qui m'a envoyé ce calendrier de l'Avent avec un lien personnalisé si tu veux pour l'avoir moins cher, avec des muesli, avec des céréales croustillantes, avec des infusions et des thés, avec des chocolats, enfin voilà, il y a pas mal de trucs à l'intérieur, notamment le 24e jour, c'est un gros paquet. Enfin voilà, j'ai regardé la contenance, c'est plutôt cool. Il coûte 67,90€. Si tu utilises mon lien, si tu cliques juste sur le lien qui est là, tu l'as à 60€, je crois. Je ne gagne rien. Si tu l'achètes ou quoi, je ne gagne rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment pas un partenariat, c'est même pas un code affilié, que dalle. Mais c'est un super cadeau et symboliquement, honnêtement, après avoir suivi plein de youtubeuses lifestyle, quand le moment où tu reçois des calendriers de l'Avent, c'est vraiment que tu commences à percer, tu vois, genre symboliquement, n'importe quoi. Mais moi, de toute façon, par principe, à partir du moment où c'est de la bouffe vegan, je prends. Donc celui-ci, c'est le premium et c'est le seul qui est vegan. Les autres ne sont pas 100% vegan. Voilà, donc je t'encourage, évidemment, si tu veux acheter un calendrier de l'Avent de MyMuesli, je t'encourage à prendre le vegan, bien sûr. Il n'est pas particulièrement plus cher que les autres du tout. Je suis très rigoureuse du calendrier de l'Avent, mais bon, pour te montrer quand même, voilà, pour la science, je dois quand même te montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc j'ai ouvert la case numéro 1, qui est juste là. Et donc c'était, alors c'est tout est bio, hein. Voilà, donc c'est un calendrier bio vegan pour 60€, c'est que de la bouffe, moi quand c'est de la bouffe je dis oui. Donc c'est un bol de céréales qui est crunchy à base de cerises et de chocolat, enfin de cacao, il y a des petites bites de chocolat, c'est très cool. Le numéro 4 c'était une infusion, donc trop bien. C'est une infusion, tu vois, c'est 30 grammes, c'est même pas, tu sais, les sachets de thé là que t'as juste un sachet dans le calendrier de l'Avent. C'est à l'hibiscus, à la framboise et à la pomme. Ça sent super bon, je pense que ça va être hyper agréable ça en hiver. Et je sais pas, j'aime trop le petit pot, en vrai, j'aimerais bien le réutiliser. Je sais pas trop comment, peut-être en boîte à bijoux, je sais pas, je vais y réfléchir. Et oui, je remets tout dedans, sauf le numéro 6. Que j'ai ouvert parce que Sophie m'a trop, je sais pas, m'a fait craquer en voulant absolument voir ce truc. Donc du coup j'ai ouvert le numéro 6 où j'ai dû aller chercher le truc tout au fond. Enfin c'est d'ailleurs Sophie qui s'est coincée la main et qui a cassé le truc en carton du fond pour le sortir. C'est des petits chocolats. Donc pareil, la boîte elle est trop mimi, tu vois. C'est en fait des raisins et des cranberries enrobés de chocolat noir. Et bah c'est trop bon quoi, enfin, c'est vraiment délicieux, on a déjà mangé plusieurs. Donc je vais mettre ça dans les placards. C'était le petit unboxing du calendrier de l'Avent.
Et on est au mois de septembre. Tout est normal. Je sais pas dans quel monde capitaliste nous vivons pour que les calendriers de l'Avent commencent à se vendre au mois de septembre. Mais vu que c'est de la bouffe, moi, encore une fois, je ne dis pas non. Ah non, je ne dis pas non du tout. Et maintenant, tu vas m'observer faire la thumbnail, essayer désespérément de faire la miniature de cette vidéo. Où j'ai une idée, mais je suis pas sûre que ça marche et ça va peut-être être très moche. On va voir. Ça ne rentre pas du tout dans le cadre. Ici comme ça, et après je couperai. Genre je ferai une miniature en deux fois. Non ! Les abdos travaillent, les abdos travaillent. Ah ! Encore une fois, on essaye. Hus, on contracte. On baisse. Soyez youtubeuse qui disait. Ah, je viens de regarder les prix des disques durs actuellement, puisque ça fait facile 4 ans que j'en ai pas acheté. Et je viens de regarder les prix des cadeaux que je vais offrir. Je peux pas dire les cadeaux que je vais offrir parce que je sais qu'il y a au moins une personne qui regarde mes vidéos. Donc du coup, je viens de regarder tous les prix de tout et putain, je vais raquer. Je crois qu'au total, je vais dépenser au moins 150 euros. C'est hyper cher. Que ce soit les cadeaux, je m'attendais pas. Je veux vraiment acheter ça. Je m'attendais pas que ce soit aussi cher. Je pensais que ce serait facile 7 ou 8 euros moins cher par truc. Et les disques durs externes, mais mon dieu, je vais dépenser facile, ouais, 80, 100 euros dans des... Bon, je te laisse là, et je reviens pour te dire combien j'ai dépensé. Je suis pas ravie, hein. Je peux te le dire, je suis pas ravie. Je suis en sueur. Bah oui, je suis un petit peu en retard, il est midi, presque 10, et j'avais rendez-vous à midi pour un appel téléphonique, pour un coaching. Je ne suis jamais en retard d'habitude, mais c'est la vraie vie. Parfois on est en retard parce que les vendeurs nous parlent pendant trop longtemps. On a presque dépassé les 150, on les a pas dépassés, tu vois, au total. Pour 90 euros, j'ai acheté celui-ci, l'expansion 2 Tera de Seagate, qui était plutôt recommandée sur YouTube pour les Mac, voilà. Je sais pas quoi te dire de plus, c'est un disque dur externe, il m'a coûté 90 euros, ça fait mal au cul, mais ça fait un an et demi que j'ai besoin d'un disque dur externe. Voilà, je vais boire un coup et appeler ma peut-être future coachée, parce que c'est le cadre de l'appel gratuit de 20 minutes. Hein. C'est pas une vraie séance si t'as pas vu l'offre de coaching universitaire, il y a toujours un appel de 20 minutes au début. Eh, j'ai chaud. J'ai toujours ma paille dans le champ, c'est n'importe quoi, Lou. Youtubeuse en carton. Il est midi 36, j'ai fait l'appel, c'était super, on a bien discuté, ça va être pour un accompagnement à l'année, c'est mes préférés parce que je peux voir l'évolution, parce que bon, sur les mémoires, je peux voir l'évolution aussi et j'ai des retours très chouettes et tout, mais c'est quand même sur un plus court terme, alors que là, un accompagnement à l'année, c'est trop cool, enfin, j'ai trop hâte. J'ai géré le côté administratif, facture, etc. maintenant. Je vais maintenant répondre à 2-3 mails que j'ai reçus depuis ce matin. Oui, c'est super, on est lundi. Et je dois appeler la chorale aussi. J'espère qu'ils sont pas en pause déjeuner. Où est-ce que c'est ça? Ah, je dois envoyer un mail aussi. Bref, je vais travailler jusqu'à 13h encore un peu, rester sur mon ordinateur, faire des trucs un peu administratifs. Et puis après, on ira manger parce que j'ai très très faim. J'ai très faim. Bon, il est 13h15, je finis juste tous les mails et tout et tout, donc c'est très bien, je suis très satisfaite. Ceci dit, ça veut dire que vu que je dois partir à 14h30-35 pour mon rendez-vous psy, et que je veux manger, faire une vraie pause déjeuner, il faut encore que je me prépare à manger tout. Bonjour, un peu de lumière, merci. Voilà, enfin encore que je me prépare à manger et tout, donc en fait je ne vais plus travailler jusqu'à un bon moment, puisque le temps que j'aille au C4, que j'attende là-bas, que je fasse le rendez-vous, que je revienne et tout ça, il va se passer un bon bout de temps. Ceci n'est pas une journée dans mon assiette, donc je ne vais pas te montrer ce que je mange, mais par contre je vais faire une journée dans mon assiette dans pas longtemps du tout, ne t'inquiète pas, je suis là, je m'occupe de toi, je vais te faire des jolies recettes et tout, mais bon. Pas aujourd'hui. Donc je me fais une petite pause déjeuner, je te reprends après. J'ai toujours la peur de rater mon bus. Donc comme d'hab, je pars un peu trop en avance. Vu que je suis pas loin de l'arrêt de bus. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup je me sens en retard alors que je suis en avance. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas ce que j'ai raconté au psy moi. Enfin à la psy.
à l'interne psy, plus précisément. Je sais tellement pas ce que je vais lui raconter. J'ai peur de tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? ...50 minutes à raconter ma vie. J'ai chialé, mais j'ai chialé. Mon Dieu. Oh là là. Ça commence bien. Non, mais c'était bien. C'était très bien. Mais bon. C'est dur, hein, de passer 50 minutes à raconter sa vie. C'est intense. Il est 17h20. Je viens de rentrer à l'instant. Je pose mes affaires. Ça, c'est la pochette que je dois recoudre. Ça, c'est le masque que je dois jeter. Mais du coup, c'était beaucoup d'émotions, hein, cette séance de psy préliminaire. J'ai pas forcément senti, tu vois, un soulagement ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai ressenti la sensation d'être bien prise en main, d'être comprise, de pas être moquée. Parce que j'ai quand même tendance à beaucoup me dénigrer moi-même, tu vois, beaucoup. Regarde ce que j'ai fait, c'est pas trop joli, c'est un bouquet de lavande séchée. Enfin voilà, je me suis sentie plutôt accompagnée par quelqu'un qui posait des questions pertinentes, enfin voilà, c'était chouette. Donc maintenant, elle, l'interne qui m'a fait l'entretien d'une heure, là, va parler en réunion d'équipe de mon cas pour me réorienter ensuite, sans doute selon elle, vers ce que je pensais être le cas de toute façon. Des séances de TCC, de thérapie cognitive ou comportementale, des séances individuelles. Voilà. Donc, là je vais me faire, vu que je suis un peu émotionnellement drainée quand même, je vais me faire un bon goûter, faire un smoothie banane, beurre de cacahuète, spiruline et lait d'avoine, avec une petite tartine de margarine, ça va être le top. J'ai été finalement hyper efficace et j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire aujourd'hui. On n'a pas fini ? Mais on avance bien, hein. Je trouve qu'on avance bien. Regarde-moi ce magnifique smoothie de toute beauté. Superbe. Quand elles demandent d'avoir un chef, c'est parce qu'elles ont un vrai problème. Moi, c'est ce que j'ai remarqué par rapport aux hommes. Les hommes sont des pleurnichants, entre guillemets. Les femmes, elles s'assument, en fait. Mais surtout, c'est qu'elles assument aussi l'extérieur. Il faut qu'elles s'occupent de leur famille, hein, de leurs enfants, de la maison, de tout le quotidien que nous on peut avoir en étant à l'extérieur. Elles, il faut qu'elles gèrent à l'intérieur. Et ça, comment ça s'appelle? Elles sont beaucoup demandeuses dans ce sens-là. Chez les hommes, ils s'occupent pas trop. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils s'occupaient beaucoup de l'extérieur, à part certains détenus, mais... Après les fortes protestations des voisins à cause du bruit l'année dernière, des fenêtres très spéciales ont été installées sur les deux derniers étages du bâtiment. Les trous dans la taille des cigarettes, il n'y a pas d'oxygène qui rentre dans la cellule. Du moment où on est dans la cellule, on est en manque d'énergie. Moi, l'année dernière, la fenêtre, je ne l'ai pas supportée, je l'ai arrachée, j'ai enlevé. J'ai fait 20 jours de cachot par rapport à ça. Après, cette année, on m'a fait du chantage en disant que si je ne garde pas la fenêtre, on m'enlève mon travail, c'est-à-dire que je n'ai pas de ressources pour me nourrir ni quoi que ce soit. De toute façon, même avec la fenêtre, on n'arrive pas à faire à manger, on ne fait rien du tout. On est en manque d'énergie. Moi, des fois, ça m'arrive de saigner du nez par rapport à ça. J'ai des crises d'angoisse tout le temps. Il est 18h59 et j'ai fini tout ce que je voulais faire aujourd'hui, toute la liste que je t'ai lue ce matin, c'est fait, tout est fait, c'est trop cool. Ah, ça fait trop plaisir, franchement ça fait trop plaisir. Je pense que Sandra, notre chère rédactrice en chef de Bertine, va m'appeler dans pas longtemps. Il n'y a pas grand chose d'intéressant pour le reste de ma journée, hein. Franchement, je vais faire la réunion avec les copines, puis je vais dîner, peut-être si je peux faire un petit peu de yoga, enfin voilà. Le Life Admin Day est désormais, je l'annonce, terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça a pu t'aider, t'inspirer. N'hésite pas à aller voir tous les liens que je t'ai mis en barre d'infos sur toutes les informations, etc. N'oublie pas, c'est très important si tu es encore là, de t'abonner si c'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, me soutenir sur Tipeee, pour que je puisse me détacher le plus possible de la monétisation catastrophique de mes vidéos. Puisque je parle de sexualité, je suis ghostée par le système de monétisation de YouTube, n'est-ce pas? Bref, merci beaucoup d'être là encore maintenant. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.